Parfois, quand vous travaillez avec plusieurs threads, les deux threads doivent coopérer, ils doivent travailler ensemble. Une situation typique, c'est celle-là. Vous avez, par exemple, une caméra et vous avez un thread qui prend des photos avec cette caméra. Okay? Et vous avez un deuxième thread qui comprime les photos. Mm-hmm. Ça prend du temps. Comprimer une photo pour la stocker dans un fichier JPEG, GIF, PNG. Ok, comment peut-on implémenter ça? Une solution, c'est une solution qui n'est pas correcte. Hmm? Je vais montrer la solution incorrecte. C'est, on a une variable ici, ça peut être un membre d'une classe, et ça, c'est le code pour le premier thread. Ça veut dire, le premier thread prend continuellement les photos, c'est le boucle while. OK. Et la photo est stockée dans la variable picture. OK. Et l'autre thread va continuellement comprimer des images. Hmm? Ça veut dire que le deuxième thread prend la photo dans la variable picture et la comprime. Ce code n'est pas correct. Pourquoi? Parce que normalement, les deux threads ne synchronisent pas leur vitesse. Ça veut dire ce que nous voulons avoir, c'est si, disons, prendre une photo avec la caméra prend du temps, ça veut dire s'il n'y a pas une image à comprimer, le deuxième thread doit attendre. Hein, il doit pas, dans ce code que vous voyez ici, le deuxième thread va continuellement comprimer la même photo s'il n'y a pas une nouvelle photo produite par le premier thread. Et l'autre situation, si comprimer une photo prend trop de temps, le premier thread doit temporairement attendre, plus prendre des nouvelles photos. OK? Ce que nous voulons avoir. Et ce code que vous voyez ici sur la transparente n'est pas correct. Ça ne marche pas avec les constraints que nous avons écrits ici. OK, une solution avec des boucles while. Avec cette solution, nous disons que nous mettons null dans la variable picture pour indiquer qu'il n'y a pas de photo en ce moment. Pour le premier thread, ça veut dire que le premier thread peut maintenant prendre une nouvelle photo. Et pour le deuxième thread, picture égale null, ça veut dire qu'il n'y a pas de photo à comprimer. Okay? Une implémentation qui fonctionne, mais ce n'est pas une solution optimale, ok? Ne prenez pas cette solution comme exemple. Mais au moins, ça peut marcher. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le premier thread, quand il prend une photo, il va la stocker dans une variable locale, current picture. Et puis, le premier thread attend jusqu'à picture égale à null. Ok? Et puis, après ça, l'image est mise dans la variable picture. Et pour le deuxième thread, qu'est-ce qu'on voit ici? Le deuxième thread, bien sûr, doit attendre jusqu'à ce qu'il y ait une image à comprimer. Et dans ce cas-là, le deuxième thread prend l'image, la met dans une variable locale, current picture, et maintenant, le deuxième thread met null dans la variable picture. Pourquoi? Pour indiquer au premier thread, hein, que le premier thread peut prendre une nouvelle photo. Et puis après ça, le deuxième thread peut comprimer la photo qui est stockée dans la variable local current picture. OK. Vous voyez, la variable picture avec cette valeur spéciale null devient vraiment le point de contact entre les deux threads. Mais avec ce code ici que vous voyez ici, il y a un problème. Cette solution n'est pas du tout optimale. Pourquoi? Parce que, attendez, je vais effacer mes commentaires. Pourquoi? Parce que ce que vous faites ici avec les deux boucles while ici, on appelle ça un busy waiting. Pourquoi? Regardez la première boucle ici. On ne fait rien dans cette boucle-là. À l'intérieur, il n'y a pas d'instruction. Mais pour l'ordinateur, exécuter cette boucle while, c'est du travail. Okay? Pour l'ordinateur,
l'ordinateur consomme d'énergie, d'électricité pour exécuter cette boucle while. Même s'il n'y a effectivement pas vraiment de travail fait ici. Hein. On ne change pas de variable, on ne fait pas de calculations. Cette boucle while, c'est vraiment simplement pour que le premier attend. Okay? On a ça le busy wait. Et c'est vraiment des gaspillages d'énergie, d'électricité. OK. Et la solution correcte est d'éviter cette sorte de situation. OK? Nous ne voulons pas gaspiller d'énergie. Et ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est vraiment le code de l'implémentation correcte qui est plus compliqué, je dois dire. OK. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a toujours une boucle while. OK. Pour le premier thread, hein, ça c'est le code pour le premier thread et ça c'est le code pour le deuxième thread. Mais la différence est, regardez ce qu'on fait à l'intérieur de while. On a quelque chose que vous ne connaissez pas encore, c'est le wait. Hein. D'abord, la première chose qu'on a fait est on a mis le while et les autres instructions dans un synchronized avec un objet. Pour avoir un objet pour moniteur. Et maintenant, on appelle la méthode wait de cet objet-là. L'objet qu'on a utilisé pour le synchronized. Hein, ici. OK. Et pourquoi on a fait le synchronized? Pour protéger l'accès à la variable picture. OK. Et qu'est-ce que le wait fait? Le wait dit au premier thread que le premier thread peut dormir. Pourquoi? Parce que picture est non, est pas null. Hein. Le premier thread ne peut pas faire quelque chose. Hein. Si picture est non null, la seule chose que le premier thread peut faire, c'est wait. Mais cette fois, on ne fait plus un busy wait. On dit vraiment au premier thread que le premier thread arrête l'exécution. On fait ça avec le wait. Et la même chose, vous pouvez observer dans le deuxième thread. On a encore une fois un synchronized. On a mis tous les codes pour accéder à la variable picture hein, dans le synchronized. Et on a encore une fois boucle while. Mais cette fois, on a le wait ici. Encore une fois, avec l'objet qu'on a utilisé pour le synchronized. Et cette fois, le wait dit au deuxième thread, tu peux dormir quand picture égale à null, parce que dans ce cas-là, le deuxième thread n'a rien à comprimer. OK? OK, mais le problème est, OK, on dit au thread, vous pouvez dormir, mais on doit aussi réveiller le thread un jour. OK? Et ça, on fait ça avec la méthode notify, encore une fois appelée sur l'objet qu'on a utilisé pour le synchronized. OK, ça veut dire ce notify ici va réveiller le deuxième thread. Pourquoi on fait ça ici? Oui, parce que ici, le premier thread a produit une nouvelle image à comprimer. Et ça veut dire ça, c'est la bonne place pour dire au deuxième thread, OK, maintenant, deuxième thread, tu peux se réveiller. Ça veut dire que le notify va notifier le deuxième thread que le deuxième thread peut arrêter de dormir, d'attendre et peut continuer l'exécution. OK, et la même chose, on a ici. Le notify ici va réveiller le premier thread. Pourquoi on fait ça ici? Parce que quand on arrive ici, le deuxième thread a pris l'image et va la comprimer. Ça veut dire que le deuxième thread peut signaler au premier thread que maintenant le premier thread peut prendre une nouvelle image. OK. Vous devez faire attention que vous utilisez le wait et le notify toujours sur le même objet. Ça veut dire l'objet que vous avez utilisé pour le synchronized. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand un thread attend ou dorme, le thread peut être interrompu par le système d'exploitation.
Et pour cette raison-là, on a toujours les interrupted exceptions dans le code. Hein. Regardez, il y a plein de try-catch ici. Chaque fois que vous faites un wait, vous avez un try-catch là et un try-catch ici. Et pour cette raison-là, vous devez toujours répéter votre test. Vous voyez ici, le thread arrive, le thread voit que picture est null et le thread attend, il dort. Mais après avoir été réveillé, la première chose que le thread fait, hein, vous fait une autre itération dans le thread pour vérifier si picture est vraiment null maintenant. Okay? Ça, c'est important parce que, comme j'ai dit, un thread, quand un thread attend, il peut être interrompu par le système d'exploitation pour des raisons quelconques. Et pour cette raison-là, vous devez toujours répéter votre test pour vérifier si les conditions sont encore là pour continuer à attendre ou pas attendre. OK. Une autre chose, c'est, je vais montrer encore une fois le code. Je vais passer un peu, comme ça vous voyez mieux. Vous devez toujours faire le wait et notify avec l'objet que vous avez utilisé pour la synchronisation. OK. Pourquoi ça? Parce que la synchronisation, attendez, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il se passe s'il y a plusieurs threads qui attendent au même temps, utilisons le même objet. Dans ce cas-là, le notify va réveiller aléatoirement un des deux threads, ou plusieurs threads. Okay. Il y a aussi une méthode notify all qui va réveille tous les threads qui attendent. Par exemple, vous pourriez avoir la situation que vous avez vous avez deux camarades, disons, ok, ou vous avez mais vous avez seulement un thread, ça veut dire vous avez un thread qui produit beaucoup d'images. Dans ce cas-là, vous pouvez décider d'avoir deux threads pour comprimer les photos, thread 2 et 3. Ça veut dire chaque fois que quand le premier thread produit une nouvelle photo, il veut que les deux threads se réveillent, hein, pour comprimer les deux photos en même temps. OK. Maintenant, la question, c'était pourquoi on a besoin de synchronized et on doit utiliser le wait notify avec le synchronized, avec l'objet qu'on a utilisé pour le synchronized. C'est parce que le wait notify fonctionne comme ça. Disons le thread ici, le premier thread arrive ici, au synchronized. Ça veut dire que le premier thread devient le propriétaire du moniteur de l'objet some object. On a déjà parlé de ça, non? Le moniteur des objets. OK, maintenant le premier thread est à l'intérieur du synchronized et parce qu'on a ici un wait, ça veut dire que le premier thread maintenant attend. Et maintenant, le deuxième thread arrive. Et maintenant, vous pourriez dire, mais le premier thread est déjà dans le synchronized. Ça veut dire que le deuxième thread ne peut pas entrer ici dans cette section ici. Non, parce que quand un thread fait un wait, le thread n'est plus le moniteur, n'est plus le propriétaire du moniteur de l'objet. Okay. Ça veut dire maintenant, le premier thread dorme et le deuxième thread peut entrer. Okay. Et va réveiller le premier thread avec le notify. Okay. Mais le premier thread n'est pas réveillé immédiatement. Parce que si on faisait ça, on aurait deux threads en même temps dans le synchronized qui sont actifs. Non. Quand le deuxième thread fait un synchronized, fait un notify, le premier thread est réveillé
OK. Hein? Mais le premier thread doit attendre jusqu'à le deuxième thread part. OK. Oui, ça j'ai déjà expliqué. Ça c'est le texte pour l'explication. Et dans ce cas, et quand le deuxième thread est parti, maintenant le premier thread qui est déjà réveillé par le notify peut maintenant redevient le propriétaire du moniteur et peut continuer l'exécution dans le synchronize. Et dans ce cas-là, ça veut dire exécuter l'instruction suivante, celui-là, après le wait. OK. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que si on utilise le wait notify, on doit vraiment faire attention. Et dans les vidéos suivantes, vous voyez d'autres méthodes pour laisser deux threads coopérer avec d'autres constructions. OK. Mais l'exemple que j'ai utilisé ici, avec une caméra qui produit des images, ça veut dire un thread qui produit quelque chose, c'est un producer en informatique, et le picture, l'image, c'est le produit. Et le thread qui prend les photos pour les comprimer, ça, on appelle en informatique le consumer. Okay. Ça veut dire que vous avez un producer-consumer problem. On appelle ça informatique, comme ça. Okay. Et vous voyez, la situation est symétrique ou asymétrique, ça dépend comment vous le voyez. Le producer doit attendre jusqu'à il y a une place libre dans la variable picture, et le consumer doit attendre jusqu'à il y a quelque chose dans la variable picture. Hein. Ça veut dire le producer attend jusqu'à picture inal et le consumer attend jusqu'à picture non-null. Et cette sorte de problème, cette situation marche aussi avec plusieurs producers. Okay? Vous pourriez imaginer, vous avez plusieurs caméras et plusieurs threads qui produisent des images. Et vous pourriez aussi avoir plusieurs threads qui consomment, qui prennent les images. Okay. Mais dans ce cas-là, avoir seulement une variable pour stocker le produit entre le producer et le consumer, si on a plusieurs producers, plusieurs consumers, n'est pas optimal. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer d'avoir plusieurs variables ici pour stocker plusieurs produits qui attendent d'être consommés par le consumer thread. Et au lieu d'avoir plusieurs variables, picture 1, picture 2, picture 3, bien sûr, on prend une liste, un array ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, et souvent, on limite la place. On ne veut pas que si on a plus, si les producteurs sont trop vite, que notre liste contient des milliers de photos. Okay? Normalement, ce qu'on fait, on limite la place dans notre espace d'attendre, notre fil d'attendre. Et les producers produisent des images, des produits, jusqu'à il n'y a plus de place. Si on a une liste, on dit notre capacité maximale, c'est 10 images. Ça veut dire que les producers, ils vérifient chaque fois, est-ce qu'il y a encore de place dans la liste? Oui, OK, ils vont produire une nouvelle photo, un nouveau produit. Et pour le consumer, c'est l'autre situation opposée. Bien sûr, le consumer prend les images, consomme le produit jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'images dans la liste. Ça veut dire si quand la longueur de la liste est zéro, ça veut dire que le consumer doit attendre, doit faire le wait, exactement comme on a vu avant. Le consumer fait le wait si la liste est vide, ou votre espace, et le producer font un wait si l'espace est complètement rempli, si notre liste contient le nombre maximal d'images. Et l'opposé, bien sûr, si le consumer a pris une photo, fait un notify pour signaler au producer que maintenant il y a de place libre dans l'espace, dans le fil d'attente. Et la même chose pour le producer, quand la liste était vide, et le producer a produit un nouveau produit, hein, pris une nouvelle photo,
ils font un notify pour signaler au consumer qu'il y a une image à comprimer. OK? Ça veut dire qu'on a vraiment la situation équivalente aux exemples qu'on a déjà vus.